Yo tout le monde, c'est Fusing Ghost et aujourd'hui on se retrouve sur Crysis 3 pour une nouvelle vidéo sur sur le mode oui chasseur, sur le mode chasseur sur la map aussi Williamsburg. Donc là hop, je me fais super. Donc là faut je tiens à préciser qu'on n'a pas de nano combinaison en tant que survivant vu qu'on est des hommes du sel. Donc on est des hommes du sel. On n'a pas d'équipement, donc ce mode était proposé pour la bêta. Donc sauf que là c'était pas cette map. Hein. Donc là c'est la map Williamsburg, c'est la toute première mission de la campagne. Donc voilà. Et je me fais déjà défoncer. Par contre, je tiens à préciser que je préfère largement être en hunter qu'en survivant. Pourquoi? Bah parce que en survivant, en chasseur, donc. On a bah, l'arc et on est invisible et tout. Et je trouve ça beaucoup plus drôle que d'être survivant. Malgré que survivant, on gagne beaucoup plus d'XP. Mais je veux dire, ça va. Moi, je préfère largement ce mode. Enfin, ce mode, oui, c'est aussi mon préféré, ce mode. Pourquoi? Bah, parce que je l'aime. Il est trop bien. Il est trop bien, ce mode, parce qu'on... Voilà, en fait, nous, on a une nano-combinaison. On est comme un peu les surhommes. Et quand t'es en soldat du sel, bah, t'es une pauvre petite merde qui saute pas plus haut que 2 mètres, même pas. Et voilà. Et on a des vieilles mitraillettes et tout, alors que là en hunter et tout, je sais pas, on a trop la classe en hunter. C'est 3 fois mieux. Moi j'adore. Enfin moi j'adore, voilà, après voilà, c'est mon truc. Je pense que les vidéos qui suivront, enfin la vidéo qui suivra celle-là, ce sera aussi sur ce mode bien sûr. Mais je veux dire, après si je refais un jour une vidéo de Crysis ou... Et ben je pense que je ferai aussi sur ce mode. Par contre toi tu bouges pas, pourquoi? Je m'explique, hein. Donc lui je l'ai tué en mode explosif. Et toi je vois ton petit crâne dépasser. BAM! Frag final, tire dans la tête. Tire dans la tête, balle dans la tête. Non non c'est une flèche mon gars. Mon gars, pardon. Bon ils se sont trompés, c'est pas grave. C'est pas grave. Sur la killcam on voit pas son cerveau. Ouais bon les killcams faut savoir qu'elles sont hyper mal faites sur ce jeu. Mais vraiment vraiment. Pourquoi? Parce que souvent, là, quand tu tires les balles, tu les entends 3 ans plus tard. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'il y a des vitres. Et bah moi, regardez, j'appuie sur ce bouton. Et voilà, ça se ferme. Donc je trouve ça plutôt sympa. Donc je vais camper ici pour cette manche. Peut-être que j'arriverai à survivre, je sais pas. Je l'espère. Donc là, on a encore 10 personnes du sel. Donc vous pouvez le voir ça. En haut, à droite de l'écran, il y a le temps, donc il y a plein de têtes. Les 3 têtes rouges, bah, c'est ceux qui se sont déjà fait tuer. Et les autres, bah, c'est ceux qui sont vivants. Et donc on va tous camper au même endroit, comme des grenouilles. Oh. Oula, c'était quoi ce rire à la con? Putain, faut vraiment que je me la ferme des fois. Et donc, normalement, avec cette arme, j'ai aussi l'hologramme. Voilà, donc je change et voilà, je peux envoyer un hologramme. Comme ça, bah, les hunters ils tirent dessus et moi ça me fait marrer. Voilà. Voilà tout. Donc l'autre là-bas, je crois qu'il est tout seul à attendre. Je suis pas sûr, donc on va aller voir vite fait. Ah ouais, il faudrait mieux qu'il se... Ah non, ouais. C'est quand même assez bizarre ici pour défendre, parce que le truc, c'est que si l'hunter vient, il a déjà l'arc bandé. Merci. Il peut bouger et direct lâcher sa flèche en même temps. Et donc nous, on n'a même pas le temps de le voir ou de le viser ou de tirer. Et on est déjà mort. C'est pour ça que c'est un peu chiant les endroits comme ça avec un coin. Mais bon, ça devrait aller. Donc il reste plus que 30 secondes. J'espère que je vais survivre. Parce qu'en fait, je me rappelle plus si j'ai survécu ou pas. Donc ici, c'est tranquille. Hein. Ici, il y a une porte. Il y a 2 mecs qui visent. Il y a vraiment aucune chance qu'ils passent. Mais là, par contre, c'est pas du tout la même chose. Donc on va tirer une grenade comme ça. Hop. Ah, donc il y a quelqu'un, ce que je vois. Allez, mais crève. Ah putain, ils m'ont tué. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. J'aurais pu survivre. Donc vous voyez, regardez les coins, c'est très très chiant. Donc là, ils me voyaient à peine pas. Hein, mais il y avait personne. Mais je pouvais pas être invisible pourtant. Donc voilà, la manche est terminée. Les pauvres, à 5 secondes de la fin, ils se sont fait tuer. Les pauvres, ils ont vraiment pas de chance. Regardez-moi ça. Mais il y a de nouveau, il y a personne. Putain, je crois qu'il y a un putain de bug. Hein. Elles sont complètement buggées là, les killcams, hein. C'est pas possible. Bref, moi je vais reprendre en vitraillette parce que c'est quand même le mieux. C'est quand même... Enfin, je trouve que quand on est en personne du ciel, donc là vous voyez qu'il y avait écrit maintenir RT pour attaquer, enfin, voilà, avec l'arc, pour taper avec l'arc, enfin, tirer avec l'arc. Mais j'ai une mitraillette. C'est bête. Très très bête. Donc là, en fait, je viens de prendre un genre de bouclier anti-émeute et je vais aller me...
me camper là-dedans. Même si ça va pas être de la tarte, parce que si là il y a un gars, en fait, le truc c'est que le bouclier il protège pas comme sur Call of, hein. Genre là, si on se fout dans un coin, le mec il peut nous tirer dans la hanche, dans les fesses, dans la tête. Peut-être que le terme fesses et tête, j'aurais pas dû les mettre dans la même phrase. Donc voilà. En tout cas, je sais que je peux le balancer mon bouclier, mais je sais absolument pas si ça tue quelqu'un. Donc là, en fait, je suis un peu mon caca qui bouge pas. Bon, je reçois tous les bonus de survie, comme ça me fait monter de level. C'est pour ça que j'aime, que je préfère. Ah merde. Ah, tu me vois pas. C'est pas juste. Je l'ai tiré dessus, quoi. Mais bon, il devrait vraiment y avoir tir rapide ou un truc pour qu'on puisse les tuer quand même plus vite. Donc vous voyez que. Et voilà, il m'a tué, j'avais pas d'arme en main. Putain, c'est mal fait ces killcams. Oh là là. C'est mal fait ces killcams, elles sont vraiment très mal faites. Mais ça, je vais arrêter de le lire parce que ça fait 150 fois que je répète dans la vidéo. Donc deux soldats du reste. Un soldat du ciel restant. Donc on va faire un truc au pays, faut l'aventure. Oh. Donc il est où? Ah d'accord. Il est fou lui de se mettre là-bas. Il est taré. Impossible de survivre dans un endroit où il est. Hein. Je tiens à le préciser, bah voilà, en fait, j'ai même pas pu en tuer un. Il s'est direct fait tuer le pauvre. Il a pas eu de chance. Donc là, je crois que cette vidéo elle va faire à peu près 8 minutes. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'elle va faire 8 minutes. Donc j'espère vraiment que mes 4 vidéos sur Crysis 3 vous plaisent, parce que moi franchement je prends un plaisir énorme à les tourner et franchement je m'éclate sur ce jeu. Et je trouve que c'est quand même un jeu où il fallait que je fasse pas mal de vidéos, parce que d'habitude je reçois des nouveaux jeux et je fais pas trop de vidéos. Donc là je me refaille encore une fois. Et là franchement j'avais vraiment envie de vous faire pas mal de vidéos sur ce jeu, parce qu'il est quand même sublime, hein. Graphiquement il est sublime. Le multijoueur est super, c'est juste que la campagne est dégueulasse, mais je veux dire, la campagne, moi je m'en bats les roues doudou. Moi c'était surtout pour le multi que j'achetais ce jeu. C'est comme les Call of, moi je fais la campagne, mais franchement, je m'en bats les fesses. Hein. M'en fous. Moi la campagne, bon après, je dis ça, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais voilà, je veux dire, moi les campagnes dans les jeux genre comme Call of Duty et tout ça, c'est vraiment des trucs inutiles. Par contre, dans un Far Cry 3 ou dans un AC3, la campagne c'est vraiment le truc le plus. C'est le meilleur, hein. C'est, par contre là c'est vraiment le seul truc que je fais, quoi, parce que les campagnes, je sais pas, elles sont intéressantes et tout ça. J'avoue, celles de Black Ops 2 et tout, enfin, les Call of, elles sont quand même assez bien redirigées, je veux dire, elles sont assez bien faites les campagnes, mais je veux dire, voilà, c'est des campagnes de 2-3 heures et voilà, c'est fini, terminé, plus on en entend plus parler. Alors que par exemple voilà, un Far Cry 3 c'est plutôt du 8-9 heures que du 2-3 heures, donc c'est quand même triplé. Et c'est vrai que un Far Cry 3 et tout ça, c'est quand même beaucoup plus beau. Enfin, pas plus beau que ce jeu, mais je veux dire, c'est quand même beaucoup. La campagne, elle est 3 fois mieux, quoi. Donc là, on va prendre des flèches adhésives. Hop, toi, je t'en ai balancé une, il me semble. Non, je t'ai pas touché. Aidez. Bien. Donc là, je peux vous spoiler la fin. Je fais le frag final. Et bim, le frag final. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait super plaisir. En plus on est de plus en plus sur ma chaîne, donc de nouveau la killcam qui a furieusement bugué. Mais bon, bah, j'espère que ça vous a plu, moi je vous dis ciao et à la prochaine, bye.